Coucou les filles et les garçons, donc aujourd'hui un vlog, je me maquille vite vite fait, enfin j'étais déjà maquillée, j'avais juste une bébé crème et du mascara mais je me suis démaquillée parce que là il est 6h30 je crois et en fait il y a le Beauty Nyx Award, enfin je vous mets le hashtag juste ici, c'est en fait les résultats pour le concours, le grand concours des Nyx Belgium et donc en fait j'y avais été invitée et malheureusement j'ai pas confirmé en fait, parce que bon, du coup, je voulais aller passer la journée à Genk, à Gand, parce que c'est à Gand que la première boutique Nyx a ouvert. Ça porte il y a 3 jours, je crois. Et donc aujourd'hui, c'est la grande fête et le jour où ils vont donner le nom du gagnant du concours. Donc voilà, moi je vais vite aller. C'est à 30 minutes d'ici. Bon, j'ai pas confirmé que j'y allais, pourtant j'ai envoyé un mail ce matin. J'avais reçu une réponse de la personne qui m'avait invitée et puis du coup plus de réponse. Donc j'espère que c'est pas un problème que j'y aille. Je pense pas qu'on va me refuser puisqu'on m'y avait invitée. Donc là j'ai pas encore fait mes cheveux, je me maquille vite vite fait. Parce qu'on va quand même chez Nyx, hein, faut pas arriver la tête d'enterrée. Donc voilà, c'est posé. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai toujours aimé en fait la marque Nyx. Hein. Bon, c'est pas avec ça que je maquille mes clientes, mais c'est une marque toujours qui a été un coup de cœur. Vous pouvez le voir hein, sur Instagram, j'ai posté une photo une capture d'écran de ma chaîne YouTube des différentes vidéos Nyx que j'avais fait. Et bah, la première vidéo Nyx, la première vidéo de ma chaîne, c'était une commande Nyx en fait aux États-Unis à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez du magasin Cherry Culture. Et donc, ben voilà, moi c'était fort Nyx quoi. C'était pas cher, c'était super beau, super pigmenté. Les jumbos, enfin voilà, ça a commencé comme ça hein, sur YouTube avec les jumbos, les tutos avec les jumbos blancs, milk et tout ça. Je sais même pas, je pense que ça existe encore parce que ça a dû être un best-seller ce produit. Hein. Parce que il était tellement bien ce produit. En tout cas, je ne vais pas vous faire le tuto complet ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je vous emporte avec moi. Je termine mon maquillage, je fais mes cheveux et on se retrouve bah, sur la route. Donc, me voilà dans la voiture. J'ai fait ça en 2-3 mouvements, vite, vite fait. Hein. Franchement, je déteste les jours comme ça. Bon, heureusement, Julie m'a quand même répondu via la page Facebook. En fait, c'est elle qui gère la page Facebook, donc je suis super contente. Elle m'a directement dit que c'était OK pour ce soir. Et je pouvais pas rater ça, hein. Je pouvais pas rater l'event Nyx. Donc pour l'adresse, bah, je vous la donne en même temps, hein, parce que si vous voulez aller au premier magasin Nyx de Belgique, c'est à cette adresse-ci, je vais vous la donner tout de suite. Donc c'est à Gand, bah, de Bruxelles en fait c'est quoi? J'ai vu 45 minutes, mais c'était quoi 40 km, donc non 60 km. Moi je fais ça en une demi-heure. Hein. Je sais pas pour vous. Enfin moi je vais à du 120 quoi sur l'autoroute. Donc hop, j'avais mis favori, mais en fait non, c'est pas mes favoris. Je dois le rajouter dans l'adresse des favoris. Après je connais pas la ville de Gand. J'aurais aimé vraiment passer la journée là-bas. Donc c'est 9000 Gand. Et la rue c'est Langemunt. C'est néerlandophone. Hein. C'est le côté flamand. Donc, de toute façon, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. Hop, numéro 60. Je pense que c'est la rue commerçante parce que j'ai déjà vu quelques personnes y être allées hein, via les réseaux sociaux et tout. Ben voilà, ben on va prendre la route. Dans 30 minutes, j'arrive et alors on va découvrir ensemble le magasin Nyx. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. En plus, il y a le résultat du concours et c'est vrai que j'aurais aimé participer en tant que make-up artiste. J'aurais vraiment, vraiment aimé participer. Mais on me l'a fait en plus, il y avait une amie qui m'avait tagué pour que j'y participe. Et j'avais vraiment envie. Enfin, c'est avec la petite, quoi. Si je fais quelque chose, j'ai envie de bien le faire. J'ai envie de prendre mon temps, réfléchir. Je sais qu'il y avait un thème. J'ai regardé. J'ai pas vraiment suivi hein, le concours Nyx. Hein. J'ai pas suivi. En temps normal, j'aurais suivi tous les participants. J'aurais même moi-même participé. En plus, il y a un voyage à Los Angeles. Il y a 5000 euros cash. Il y a 500 euros de produits Nyx
que la personne va recevoir et participer donc à la finale aux États-Unis quoi. Donc voilà, moi donc voilà, je viens d'arriver. J'ai trouvé une place, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai trouvé une place juste là derrière en fait, à la rue commerçante. Et juste ici, c'est la rue commerçante. C'est une petite rue quand même, hein. C'est pas un truc trop stressant. Oh, mais je crois qu'on peut rentrer. Hein. Je n'ai aucune idée. Voilà la boutique. L'extérieur. C'est vraiment beau. Hein.
de retour le lendemain. Donc ça s'est super bien passé. Ce que j'ai à dire sur la boutique, dommage qu'elle n'est pas à Bruxelles. Super belle boutique. Hier, c'est vrai qu'on était assez serré, mais c'est parce qu'il y avait tellement de monde. Mais elle est de taille normale, on va dire, hein. De la taille d'un Mac, de la taille d'un plus grand quand même qu'un magasin Bobby Brown, hein, que celui-là qu'on a ici en Belgique. Mais voilà, d'une taille, elle est même plus, un peu, non, quand même plus grande qu'un Mac, je vais dire. Donc j'ai beaucoup aimé. Dommage que la lumière, mais bon, faut voir en journée. Je vous ai montré les lumières en fait du Beauty Bar pour aller en magasin, et c'est vrai que c'était des lumières jaunes, et moi je suis anti lumière jaune parce qu'une fois que vous sortez, ben ça va pas être le même résultat. Donc bon, c'est un truc à tester en journée. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, l'event était vraiment bien, bien organisé, beaucoup de monde, on a rencontré plein de blogueuses, youtubeuses, j'ai pu rencontrer des personnes que j'avais pas rencontrées auparavant. Et donc, chose que je ne savais pas, c'est que Nyx fait partie du groupe L'Oréal. Donc, voilà, c'est chose que je ne savais pas. Enfin, je l'ai su hier, en fait, avant d'aller à l'event, quand j'étais sur le net. Donc, voilà. J'ai reçu un goodie bag et c'est pour ça que je voulais vous filmer le après. Donc on a reçu toutes un goodie bag avec plein de produits. Franchement, NYX, même aux États-Unis et tout, enfin voilà, on peut voir que les blogueuses et tout ça sont super gâtées. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un photomaton, enfin un style de photomaton, on pouvait faire des photos. Donc moi j'avais pas très bien compris le système au début, donc c'était assez raté. Mais voilà, j'en ai fait plusieurs et donc je mettrai ça. Je vais essayer de faire un tableau en fait d'inspiration et tout ce qui est par rapport au make-up, parce que c'est vrai que c'est très simple chez moi, mais j'ai plus de couleurs, j'ai plus rien. Donc je vais essayer de faire quand même un petit tableau où je peux quand même mettre mes petites inspirations et mes petits souvenirs. Donc voilà, donc il y avait des photos qu'on pouvait faire sur place. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un DJ. Il y avait à boire, à manger, donc voilà. On a reçu une sucette, des tatous. Ça, j'avais pu voir qu'ils ont reçu ça. Les 250 premières clientes ont reçu un pouch, une petite pochette avec des tatous. Bon, moi, j'utilise pas ça, mais voilà, je ferai un plaisir à une petite fille ou quoi. Pareil pour la sucette, je crois, ou non, je vais la garder en déco pour la petite. Donc, on va commencer par ce qui est du teint. Malheureusement, ce ne sont pas mes teintes, voilà, dommage. Mais ici, c'est le naturel fond de teint Stay Matte But Not Flat, donc fond de teint liquide très simple, hein, sans huile, donc mat. Le naturel fond de teint en poudre. Voilà, ça c'est toutes les choses qu'on a reçues et franchement j'étais dégoûtée, je pensais qu'on pouvait acheter, mais du tout on pouvait pas acheter, donc j'avais un peu la haine. Mais bon, c'est pas grave, ça fera une excuse pour aller à Gand, et en même temps, enfin, ça sera bien parce que quand je suis, avant d'arriver, en fait, j'ai vu qu'il y avait des terrasses partout, ça m'avait l'air d'une ville très calme, apaisante et tout, et Gand, en fait, j'y étais que quelques fois, et c'était à chaque fois pour la même raison, c'était pour le concert, je me rappelle, des Backstreet Boys, c'était l'Expo de Gand, je crois que ça s'appelle, et donc on allait là juste pour ça, mais bon, j'ai jamais vraiment été faire du shopping à Gand. Donc ici, c'est le fini velouté longue tenue en spray. Le mascara Doll Eye. Et donc, c'est tous des formats full size. Hein. Les fameux Jumbo Eye Pencil, donc en couleur Milk et Night Chevalier. Mais c'était le black avant. Ou alors, peut-être que ça, il y a des paillettes ou quelque chose dedans, je ne sais pas. Donc ça, j'ai hâte de tester. Ainsi que le spray, en fait, c'est le Wonder Stick Highlight and Contour. Donc pour accentuer ou définir. Ça aussi c'est des nouveautés, je sais qu'il y avait eu aussi des blushs, c'est les Ombré Duo Lipstick, donc les Ombré Lip Duo. Ok. Et donc il y a aussi, donc en fait ça fait un effet comme ça. La boutique c'était un truc de dingue, hein. Le choix des produits, enfin il y a vraiment tout. Moi j'avais vraiment envie d'acheter en fait les illuminateurs, les lingeries, parce que bon, on se dit, allez, il y a tellement de gens qui en parlent, et j'ai l'impression quand je les ai swatchés qu'ils sont quand même partis. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ensuite, donc hop là, donc ici j'ai reçu 5 crèmes à lèvres douces et mat, les soft matte lip cream. Donc j'ai reçu 5 couleurs,
Et on a tous reçu la même chose. Hein. Tous. Ensuite, ici, ce sont les macarons, les rouges à lèvres macarons. Donc, on en a reçu deux. Ok, donc il y a quand même un noir et un mauve. C'est des couleurs que je n'ai pas dans ma collection. Donc, je vais tester. Je vais essayer de faire des trucs assez, assez funny. Des matte lipsticks. Donc, trois couleurs. Ça, j'ai hâte aussi. On m'a dit du bien. Il y avait, j'ai rencontré une blogueuse. Enfin, je pense qu'elle est blogueuse. Elle m'a dit qu'elle trouvait qu'ils étaient bien. Ce sont les NYX Liquid Suede. Alors, ici, c'est les Primal Colors. Donc, ça, je crois que c'est des... En fait, c'est des pigments pressés. Ouais, des pigments pressés. Donc, des couleurs flashy, vraiment. Ici, c'est une super belle couleur et ça me fait penser un peu au packaging de chez MAC. C'est le Frostbite fard à paupières prismatique. Donc, c'est un effet un peu duochrome, comme ça. Et il me fait penser à un fard de chez MAC, même. La couleur qui est dedans, c'est un peu... Ça fait effet glacé comme ça, fait des neiges. Et ensuite ici, la poudre mosaïque, couleur paradis, donc le fard à joues en poudre mosaïque. Donc voilà, c'est ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à la boutique? Elle est sur la rue commerçante, comme vous avez pu le voir. Très belle, un choix de dingue. Franchement, j'ai pas pu regarder tous les produits. Je vous conseille quand même d'y aller, mais peut-être pas tout de suite parce que c'est un peu style la file Primark, quoi. Et donc, déçue parce que j'ai pas pu acheter de make-up. Mais franchement, c'est les illuminateurs que j'aimerais bien tester, les illuminateurs, anti-cernes, les lingeries, qu'est-ce que je voulais encore tester, le gel eyeliner, enfin le en pot, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et peut-être aussi tester les fonds de teint, parce que j'ai jamais testé en fait les fonds de teint NYX, donc tout ce qui est fonds de teint, je n'ai pas testé. Je sais pas si vous avez pu le voir, j'ai fait mes premières vidéos, c'était NYX, parce que voilà, c'était pas cher et je n'étais pas encore maquilleuse à ce moment-là. Donc moi, j'adorais toutes les couleurs flashy que proposait la marque. C'est un truc incroyable. Que ce soit en texture, que ce soit en le choix, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment de tout pour les couleurs, pour tous les styles. Donc voilà. Après, moi, je vais tester quand même certains produits ici. Et je vais essayer de vous en offrir quelques-uns. Parce qu'il y a quand même beaucoup. Et j'ai pas envie d'ouvrir pour pouvoir... pour finir les laisser ici dans mon tiroir. Donc voilà, j'essaie de toujours faire des concours pour vous faire plaisir parce que je reçois énormément de choses. Donc voilà, je teste et en même temps, là, je vais partager parce qu'il y a beaucoup. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux, hein, ZinaBenMUA sur Snapchat, Instagram, Facebook, Google+, Twitter, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vlogs, que ce soit pour les events ou même quand je travaille, vous montrer un peu ma vie de tous les jours. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !